La saison 4 de Fortnite chapitre 2 a super bien commencé, mais si je te disais que ça sera de mieux en mieux, est-ce que tu me croirais? Non, tu me crois pas, vraiment? Tu me fais pas confiance? Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas être choqué. J'espère que vous allez bien, mes petits Saiyans. Moi, personnellement, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo information. Oui, je sais, il y en a beaucoup, mais il y a trop de choses à dire. Et des choses trop intéressantes. Non, puis sérieusement, c'est vraiment top ce que font actuellement Fortnite. Ils ont vraiment repris leur jeu en main. Cette saison-là commence vraiment bien. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Avec ce que je vais te dire, ça va continuer, c'est sûr. Mais juste avant de continuer, je compte sur toi pour rejoindre le peuple des Saiyans en t'abonnant et en activant la cloche des notifications. Fais-le, comme tu peux le remarquer, on tryhard un maximum. Envoie-moi ta force. Par contre, mollo mollo, il te reste encore une obligation à faire et tu pourras rejoindre mon peuple. C'est de mettre le code MEXTAS dans la boutique. Pour ce faire, c'est super simple. Vous allez dans boutique d'objets, en bas à droite, soutenir un créateur, vous appuyez dessus et vous mettez Nextaz, majuscule ou minuscule, on s'en fout, à accepter. Et en haut à droite, ça vous mettra créateur soutenu, Nextaz. Je me répète, mais la vidéo vaut vraiment le coup. Tu vas pas être déçu. Je suis parti pour Misty, cette ville, je l'adore sur Fortnite chapitre 2. Et regardez ce qu'il y a à côté, une magnifique statue de panthère. Franchement, elle est trop belle. Bon, moi, je suis contesté par quelques petites personnes. Je vais essayer de les tuer rapidement. Et c'est vrai que là, au niveau des coffres, c'est un petit peu la galère. J'ai juste un coffre alors qu'il y en a beaucoup dans cette maison. Fortnite, vous saoulez avec vos changements nuls. Par contre, c'est en train de se battre. Vraiment, là, ils sont en train de se battre au pistolet. C'est une blague, ok, il y a un mec en haut sur la montagne. Je l'ai vu, moi je vais me caler des petites splashes au cas où. J'ai pas envie de mourir, on va prendre la popo 50. Et le mec est là, mais oui frérot. Par contre attendez, je vais pas blaguer pendant 30 ans. Mais non, 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 mais non, mais frérot, qu'est-ce que tu fais? T'étais bourré ou quoi? Réveille-toi. Bon, on commence cette game plutôt bien, je suis top 73 avec 2 kills. Alors que dans la vidéo d'hier, je suis mort avec 2 kills à la fin de la vidéo. Oui, on est d'accord, le matchmaking en 2020, il est super bizarre. Actuellement, nous sommes sur la saison 4 de Fortnite chapitre 2. Et comme tu peux le constater, ça bouge beaucoup. Il se passe énormément de choses. Donc clairement, pour moi, pour le moment, c'est totalement une réussite. Fortnite, on dirait qu'ils se sont remis dans le droit chemin. Ils ont repris leur jeu en main. Et ça, c'est bien parce que durant les derniers mois, on a vu une petite baisse de régime. C'est vrai que ça nous a un petit peu tous saoulés. On s'est dit, ouais, Fortnite délaisse un petit peu leur jeu. Alors qu'avant, ils étaient extrêmement impliqués. Ça annonce que du négatif. Mais au final, ils arrivent avec cette saison 4 qui n'a pas plu à tout le monde quand elle a été annoncée. Et au final, c'est super bien. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose. On a des nouvelles villes comme par exemple cette statue Black Panther qui abrite 2 petits coffres. Bon, je sais, c'est pas énormément, mais ça fait plaisir, c'est de la nouveauté. Il y a eu aussi une nouvelle ville spéciale Ant-Man, donc voilà, elle est juste ici à côté de Holyedge. Ça fait plaisir, c'est vraiment rien de gros, mais on prend. Pareil pour les Rift Bacon, il y en a énormément sur la map, ils sont tous activés et ça va faire disparaître Frenzy Farm qui va faire revenir Anarchiacre. Oh, par contre, je suis en train de me battre, les amis. Je suis un petit peu dans le caca. On va essayer de lui mettre une balle de sniper. Attendez, moi j'ai vraiment envie de te mettre un petit headshot. Et malheureusement, ça ne passe pas. Il m'a mis de très belles balles. Je vais faire très, très, très attention. Je vais devoir le tuer rapidement. Et lui, ça a l'air de pas être un rigolo. Mollo, mollo, frérot. En plus de ça, j'ai plus de construction. Je vais essayer d'y aller petit à petit, de le gratter avec mon AR. Pourquoi pas? Et il est juste en dessous. Est-ce qu'il y a moyen de le toucher? Pas pour le moment. Et ça, ça me fait un petit peu chier. Mais si, en fait, on le touche juste une fois, je vais manger moi. Voilà, mon petit poisson. Et c'est parti pour le rocher. C'est parti, la balle de pompe, faut qu'elle passe. Oh, il est là! Touché, la belle balle, et oui! Voilà mon taps! Tu dégages, miam miam miam! Donc, ouais, pour conclure ce mini débrief de début de saison 4, franchement, Fortnite marque beaucoup de points. Vous le savez, cette saison 4, c'est une collaboration entre Fortnite et Marvel. L'univers Marvel est énormément riche en personnalité, énormément riche en personnages de qualité. Franchement, si t'as pas vu les films, je t'invite à aller les voir. Mais il y a aussi eu une collaboration entre Marvel et Fortnite par rapport à des BD. En gros, ils ont fait une histoire commune. Oh, par contre, il y a les griffes de Wolverine ici. Il va bientôt arriver. Je t'attends, frérot. Par contre, moi, il va falloir que je me bouge niveau zone parce qu'elle est un petit peu loin. Et non, il a sauté. Je suis un petit peu dégoûté. Attendez, je vais essayer de choper le kill rapidement. On a touché, il est blanc. Eh oui, il est blanc. Toi, tu viens ici. Non, 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 non. Tu ne t'enfuis pas. On va reprendre
Voilà, les petits édits. Je l'ai bloqué, la balle tête qui touche et il est mort. Let's go. Non, par contre, la zone, elle va piquer. Non, par contre, la zone, elle va piquer. Moi, je me casse. Allez, vite, 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 cours, frérot. Utilise tes jambes comme moi ce matin. Oui, parce que moi, ce matin, je suis allé courir et c'était très dur. Je vais vous montrer les couvertures de cette collaboration entre Marvel et Fortnite. Et franchement, ça annonce énormément du lourd. Celle-ci est magnifique. On peut apercevoir Venom, Daredevil, Ghost Rider ainsi que Blade. Alors sans vous mentir, en étant totalement honnête avec vous, je suis trop content. Mais oui, ça fait trop plaisir. Enfin, Fortnite vont mettre énormément de skins Marvel sur Fortnite. C'est ce qu'on voulait il y a longtemps et c'est enfin le cas. En même temps, c'est un petit peu normal, la saison est basée sur ça. Mais c'est vrai que ça me fait personnellement quelque chose parce qu'il y a des personnages que j'adore et ils vont arriver sur le jeu j'aime le plus. Je t'attends mon bébé Venom, arrive vite s'il te plaît. Pour vous donner un peu plus de détails, Venom c'est l'ennemi juré de Spider-Man. En gros, c'est une symbiote, ça s'appelle comme ça. C'est un peuple venant de l'espace, ils arrivent sur Terre et pour pouvoir vivre, ils doivent en gros prendre le contrôle d'un humain. Si cette symbiote et cet humain sont parfaitement liés, bah là, voilà, c'est un monstre, c'est Venom, etc., etc. Nous sommes Venom. Daredevil maintenant, un personnage que j'adore énormément. C'est un aveugle qui habite, il me semble, à New York. Et franchement, c'est super. Il y a une série Netflix qui lui est consacrée. À aller la voir, elle est trop bien. Oh, par contre, il y a un ennemi devant moi. Est-ce qu'il y a moins que je le... Oh mais waouh, Kabogen, je suis désolé. Mais mon aimbot a encore frappé. Je l'aime. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le stuff que j'ai est incroyable. On se met vraiment trop bien. Oh là là, les poissons, qu'est-ce que je fais? Oh non mais c'est quoi? Hop, direct hein. On se fait plaisir. Oh mince, il y a un mec qui a voulu me faire un petit prank. Et ça, j'aime pas du tout. En plus de ça, il se met des petites répus pour potentiellement partir. Et ça, c'est pas top non plus. J'essaie de lui mettre des petites balles, ça a pas l'air de toucher. Il y a un mec dans le camion, je vais faire attention. Ok, touché une fois, go go go. Non mais lui vraiment, on va pas blaguer avec lui. Il faut vraiment que je tue rapidement comme ça. J'enchaîne le sujet, il est parti. Non, frérot, reviens ici s'il te plaît. Là, je dois terminer. Bon, vous savez quoi, je vais les laisser se battre. Ghost Rider, les films sont sortis il y a énormément longtemps. Je m'en rappelle plus trop, mais en gros c'est un mort, il me semble, qui vole les âmes des gens. Enfin, je sais plus trop, mais c'est plutôt stylé. Et Blade, pareil, je connais pas trop, mais à ce qui paraît, il est ultra stylé. Donc c'est cool, Fortnite va enfin mettre régulièrement des skins Marvel dans la boutique, et franchement, ça me fait super plaisir. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour Venom. Je suis ultra, ultra content qu'il arrive, parce que je l'adore. Maintenant, t'as une question à me poser, je le sais. Nextaz, vu que Venom va arriver sur Fortnite, est-ce qu'il peut y avoir potentiellement Spider-Man? Eh bien, la réponse est je ne sais pas. Il y a grave, grave, grave moyen. Franchement, moi, j'adorerais que Spider-Man arrive dans la boutique Fortnite, dans l'univers Fortnite. Par contre, attendez, je vais essayer de me focus dans la fin de cette partie. J'aimerais bien la top 1. Il y a un mec juste ici. Est-ce qu'il y a moyen de le tuer? J'ai pas réussi à le headshot avec mon petit sniper. Et il est mort. Ça, c'est parfait. Je suis maintenant en 1v1. VS1, il y a un mec en face, est-ce qu'il y a moyen de le tuer? Mais oui, le crack shield, on va terminer cette game en beauté les amis. Attends, mais qu'est-ce que... Mais frérot, mais le mec il est dans le camion depuis tout à l'heure, tranquille et chill, il s'est pris pour un routier. Oh mais toi, je t'ai vu, je sais que tu es dedans. Ok, touché, belle balle. Et le kill encore une fois. Et pour la fin, on va essayer de faire quelque chose avec la boogie. On va essayer de faire quelque chose avec la boogie, j'avoue que je suis ultra content qu'elle soit revenue. Et je vais te tuer mon ami Groot. Mais qu'est-ce que tu fais mon petit Groot? Je suis désolé pour toi. Mais tu dégages. Le top 1 est validé. Let's go baby. Les gens étaient trop nuls face à moi. En même temps c'est normal, je suis Nextaz, le roi des Saiyans. Restez encore un petit peu mes Saiyans. J'ai des trucs de fou à vous dire. Ça va prendre quelques minutes. Black Panther va faire son apparition dans la boutique. Ça c'est sûr et certain. Il va arriver dans la boutique. Il y a un super pouvoir à lui qui a leaké. Donc c'est sûr à 100%. Et sans vous mentir, ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir parce que malheureusement l'acteur qui a incarné Black Panther dans les films est décédé. Je l'adorais, j'adorais son personnage. Et il est décédé d'un cancer à l'âge de 43 ans. Donc déjà, paix à son âme. Toutes mes condoléances à sa famille, c'est compliqué. Personne ne mérite ça. Pour finir, je vous ai gardé la petite pépite. La chose la plus intéressante, Thanos. Vous le savez, Fortnite Battle Royale, c'est du solo, duo, trio, squad. Mais il y a aussi des modes de jeu. Les plus connus d'entre eux sont Foire d'Empoigne et le mode Thanos. Donc j'aimerais vraiment qu'il arrive sur Fortnite dans la boutique. Imaginez un skin Thanos
qui est chaud par rapport à ça? Vous savez quoi? Mettez-moi en commentaire quel skin vous voulez dans la boutique par rapport à tous ceux que je viens de citer. Franchement, t'as le choix. Imagine, il se bat avec les Avengers contre Galactus pendant l'événement final géant. Franchement, mec, je veux voir ça. Je veux voir ça, Fornel, s'il vous plaît. Bref, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se dit à demain. C'était Dexta, je vous aime. Peace.